مثلا إذا أردت أن أقول أنا أحاول أن أنفق القليل من المال للاقتصاد أو لكي أقتصد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يحاول مصرف في الحاضر. Le deuxième verbe, c'est le verbe dépenser, معناه ينفق. Et le verbe économiser, معناه يقتصد. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. جملة أخرى هي تقلل كل ما أقوله يعني تقلل من شأن كل ما أقوله. Oui, très bien. Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. On a déjà vu le verbe déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose. رأينا سابقا فعل يقلل معناه يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شأن شيء ما. Elle déprécie tout ce que je dis. أنا أتساءل أين يمكن أن يكون. Oui, très bien. Je me demande où il peut bien être. Je me demande où il peut bien être. Je me demande où il peut bien être. جملة أخرى. هذا الاقتراح يبدو مقبولا بالنسبة لي. Oui, très bien. Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition, يعني هذا الاقتراح, le verbe sembler, معناه يبدو, acceptable, يعني مقبول. Cette proposition me semble acceptable. جملة أخرى. أنا لست ملزما أو مضطرا لمرافقته. Oui, très bien. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. Obligé, معناه ملزم أو مضطر. Accompagner, معناه يرافق. رأيناه في العديد من المرات. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. جملة أخرى. عليك أن تحدد نفقاتك إذا كنت تريد أن توفر. Oui, très bien. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أجده واثقا جدا من نفسه. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je le trouve très confiant. Je le trouve très confiant. On a le verbe trouver, معناه يجد. Confiant, ça c'est un adjectif,
صفة معناها الشخص الواثق من نفسه قد تعني كذلك الشخص الذي يثق بالناس الآخرين. Je le trouve très confiant. جملة أخرى، أنا لدي سؤال لأطرحه عليك. Oui, très bien. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Le premier verbe, c'est le verbe avoir. J'ai, معناه يملكو, يعني لدي. Une question, يعني سؤال, à te poser. Le verbe poser, معناه يطرحو. J'ai une question à te poser. On peut dire aussi, je veux te poser une question. Je veux te poser une question, c'est la même chose. جملة أخرى، أختي تأتي لرؤيتي من وقت لآخر. نعم أحسنت، ما سوغ فيان مو فوار دو تان زون تان. ما سوغ فيان مو فوار دو تان زون تان. Le premier verbe, c'est le verbe venir, un verbe de troisième groupe. فعل من المجموعة الثالثة معناه يأتي, conjugué au présent de l'indicatif. Le verbe voir معناه يرى, de temps en temps, يعني من وقت لآخر. Ma sœur vient me voir de temps en temps. الآن أصدقائي لدينا تساؤل, هل يمكنك تحمل الطريقة التي يتصرف بها؟ Oui, très bien. Peux-tu supporter la manière avec laquelle il se comporte? Peux-tu supporter la manière avec laquelle il se comporte? Le premier verbe, c'est le verbe pouvoir, peux-tu, conjugué au présent de l'indicatif, ma'na'u yumken ou yastatir. Le verbe supporter, ma'na'u yatahammalu, qad ya'ni kadalik yad'amu. Et le verbe se comporter, il se comporte, conjugué aussi au présent de l'indicatif, ma'na'u yatasarraf ou yata'amal. Peux-tu supporter la manière avec laquelle il se comporte? جملة أخرى، أنا لا أشعر بأنني بخير، يجب أن أعود إلى المنزل. Oui, très bien. Je ne me sens pas très bien. Je devrais rentrer à la maison. Je ne me sens pas très bien. Je devrais rentrer à la maison. Le premier verbe, c'est le verbe se sentir, un verbe pronominal conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يشعر فعل مركب مصرف في الحاضر. Je devrais, ça c'est le verbe devoir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة conjugué au conditionnel présent مصرف في صيغة الشرط. فعل من المجموعة الثالثة معناه يجب. Le verbe rentrer, معناه يعود أو يرجع. Je ne me sens pas très bien. Je devrais rentrer à la maison. جملة أخرى. هل يمكنك التحدث بصوت أعلى قليلا؟ أنا لا أسمع جيدا. Oui, très bien. Peux-tu parler un peu plus fort? Je n'entends pas bien. Peux-tu parler un peu plus fort? Je n'entends pas bien. Le premier verbe, c'est le verbe pouvoir. On a le verbe parler, معناه يتحدث أو يتكلم. Le verbe entendre, je n'entends pas bien,
conjugué au présent de l'indicatif معناه يسمع. Peux-tu parler un peu plus fort? Je n'entends pas bien. جملة أخرى. لا أعتقد أنه يمكنني مساعدتك كثيرا. Oui, très bien. Je ne pense pas que je puisse beaucoup t'aider. Je ne pense pas que je puisse beaucoup t'aider. On a le verbe penser, je ne pense pas, conjugué au présent de l'indicatif, لدينا فعل يعتقد مصرف في الحاضر, que je puisse, ça c'est le verbe pouvoir, conjugué au subjonctif présent, لدينا فعل يمكن أو يستطيع مصرف في صيغة الشك. Et le verbe aider, t'aider, معناه يساعد. Je ne pense pas que je puisse beaucoup t'aider. جملة أخرى هو لديه هدف محدد جدا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il a un objectif bien déterminé. Il a un objectif bien déterminé. Un objectif, يعني الهدف, déterminé, ça c'est un adjectif, معناه محدد. وقد تعني كذلك مصمم. Il a un objectif bien déterminé. On peut dire aussi, il a un objectif très précis. Il a un objectif très précis. Précis, يعني كذلك محدد. Il a un objectif très précis. مثلا إذا أردت أن أقول أخيرا وافق على مساعدتي بدون مقابل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. On peut dire aussi, finalement, il a accepté de m'aider gratuitement. C'est la même chose. Enfin, ou finalement, il a accepté, yani, قبل أو وافق, m'aider, le verbe aider, معناه يساعد, sans contrepartie, sans يبدون, contrepartie, yani, مقابل. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. جملة أخرى نحن قريبون جدا لدرجة أنني أعتبرها فردا من عائلتي. Oui, très bien. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. Nous sommes tellement proche que je la considère comme un membre de ma famille. Membre يعني فرد. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. جملة أخرى. البرد لم يشجعني على الخروج للركض. تذكرون أصدقائي فعل لا يشجع عكس فعل شجع كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Le froid m'a découragé de sortir courir. Le froid m'a découragé de sortir courir. Découragé, يعني la يشجع. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Le froid m'a découragé de sortir courir. جملة أخرى. نجح بفضل والديه اللذان شجعاه كثيرا. الآن لدينا فعل شجع يشجع عكس لا يشجع.
Oui, très bien. Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup encouragé. Encouragé ou aks, elle fait le verbe décourager. Encourager, shajaa yushajjaa, décourager, comme araïna, la yushajjaa. Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup encouragé. لاحظت أنها تقلل من قيمة كل ما أقوله. تذكرون أصدقائي فعل يقلل يعني يقلل من شيء ما أو يقلل من قيمة شيء ما. هذا الفعل كنا قد رأيناه سابقا. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. كما رأينا هنا déprécier هي يقلل. يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شيء ما. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. جملة أخرى. لقد أثبت فعالية عمله. نحن سعداء به. تذكرون كلمة فعال أو فعالية كنا قد رأيناها سابقا. Oui, très bien. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. Il a prouvé l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. Le verbe prouver, معناه يثبت, efficacité, يعني فعالية, de son travail, يعني عمله, nous sommes, يعني نحن, contents, يعني سعداء, de lui, به. Il a prouvé l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. جملة أخرى. آمل أن يكون ذلك واضحا بما فيه الكفاية. Oui, très bien. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. جملة أخرى عندما يبقى في المنزل دون أن يفعل أي شيء يشعر بالملل أو يمل. Oui, très bien. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. تذكرون فعل أو le verbe s'ennuyer معناه يشعر بالملل. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. الآن أصدقائي لدينا تساؤل سهل جدا. كيف أقنعته؟ Oui, très bien. Comment l'as-tu convaincu? Comment l'as-tu convaincu? Ici, on a le verbe convaincre, yani yuqni'u, conjugué au passé composé, musarraf al-madi al-murakkab. Comment l'as-tu convaincu? Jumla ukhra. Yakfi al-dhahab fi as-sa'a al-thamina li takuna fi al-waqt al-muhaddad. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. Le premier verbe, c'est le verbe suffire.
conjugué au présent de l'indicatif ou le fa'l ou fa'l yakfi musarraf fi al-hadir al-dalali ou fi al-mudari'. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. مثلا اذا اردت ان اقول انا انوي الذهاب لرؤيتك قريبا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. J'ai l'intention d'aller te voir prochainement. J'ai l'intention d'aller te voir prochainement. J'ai l'intention, يعني أنا أنوي, d'aller, le verbe aller, يعني يذهب, te voir, رؤيتك, prochainement, يعني قريبا. J'ai l'intention d'aller te voir prochainement. جملة أخرى. احيانا لا نكون متفقين يعني نختلف ونتجادل. كيف نعبر عن هذه الجمله؟ Oui, très bien. Parfois, nous ne sommes pas d'accord et nous nous disputons. Parfois, nous ne sommes pas d'accord et nous nous disputons. Parfois, يعني أحيانا, nous ne sommes pas d'accord, يعني لا نكون متفقين, et nous nous disputons, ça c'est le verbe se disputer, معناه يتجادل, conjugué au présent de l'indicatif, هذا الفعل فعل مركب, un verbe pronominal. Parfois, nous ne sommes pas d'accord, et nous nous disputons. جملة أخرى. أنا أتذكر ما حدث لي. نعم أحسنت. Je me souviens de ce qui m'est arrivé. Je me souviens de ce qui m'est arrivé. Je me souviens, ça c'est le verbe se souvenir, معناه يتذكر, conjugué au présent de l'indicatif. Je me souviens de ce qui m'est arrivé. جملة أخرى. لا تنسى إعلاننا, يعني أن تخبرنا, إذا أتيت في وقت أبكر من المتوقع. نعم أحسنت. N'oublie pas de nous prévenir si tu viens plus tôt que prévu. N'oublie pas de nous prévenir si tu viens plus tôt que prévu. N'oublie pas de nous prévenir si tu viens plus tôt que prévu. الآن أصدقائي لدينا تساؤل. في أي يوم تخطط المجيء لرؤيتي؟ Oui, très bien. Quel jour prévois-tu de venir me voir? Quel jour prévois-tu de venir me voir? Quel jour prévois-tu de venir me voir? جملة أخرى. اعتمد علي لمساعدتك في تزيين الغرفة. Oui, très bien. Compte sur moi pour t'aider à décorer la chambre. Compte sur moi pour t'aider à décorer la chambre. Compte sur moi pour t'aider à décorer la chambre. جملة أخرى. بسبب نزلة البرد, يعني بسبب البرد, لم تعد تشم أي شيء. نعم أحسنت. À cause de son rhume,
elle ne sent plus rien. À cause de son rhume, elle ne sent plus rien. À cause de son rhume, elle ne sent plus rien. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول أنا أتساءل لماذا لم يتصل بي حتى الآن؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.